famille. Je voulais faire une vidéo, mais j'ai dit non, c'est mieux fait en direct. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent s'exprimer, qui sont connectées, qui vont s'exprimer. Connectez-vous. Connectez-vous et puis en fait ce direct-là. Moi, je dis personnellement, moi, je ne suis pas Dieu. Mais congélateur doit demander pardon à manager confirmé. Il sait de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Partagez le direct rapidement. On va faire ça zo pour eux. Partagez ça rapidement. On va faire ça zo pour eux. Vous savez, aujourd'hui, les gens me demandent, mais JM, pourquoi tu avais commencé une lutte qui était de montrer à la jeunesse ivoirienne comment lutter? Et puis aujourd'hui, tu es focus sur cette affaire de congélateur et manager confirmé. Je vais vous répondre dans ce direct-là. Vous savez, aujourd'hui, si vous, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux au niveau de YouTube, il y a un artiste que je ne vais même pas dire son nom, parce que dire son nom, c'est comme faire sa publicité, qui a été ingrat au même titre que ceux qui veulent faire congélateur aujourd'hui. Parce que pour moi, congélateur n'est pas ingrat, il ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est ceux qui pensaient être les nouveaux rois là, sont eux qui ont échoué. Je vais vous expliquer une histoire. En 2018, j'étais encore étudiant, en Master 2. Manger même, je n'ai pas. Il y a un artiste de la basesse intellectuelle qui m'écrit, qui me dit, ah frère, d'abord je l'ai croisé au vaisseau. Ceux qui connaissent, quand je vais expliquer l'histoire, ils vont dire, oui, on comprend la lutte de JM aujourd'hui. On était au vaisseau et j'ai vu que l'artiste là en question ressemblait à une icône de notre musique ivoirienne. Je suis venu, j'ai dit, frère, je vais faire une vidéo avec toi. Pendant ce temps, la radio Jam, que vous connaissez là, avait voulu que l'artiste en question puisse clasher notre icône nationale. J'étais le nom des deux, l'icône et puis l'artiste, pour ne pas faire dire que quelqu'un a dit mon nom. Moi, je ne fais pas, je ne dis pas le nom de quelqu'un. Et quand Radio Dieu m'a demandé à ce que l'artiste clash l'icône, ils ont fait les clash sur un an, ça n'a pas pris. Son son est sur YouTube, ça ne prenait pas. Moi, je l'ai vu au Verseau, l'hôtel Le Verseau. J'ai dit, ah frère, il a fait une vidéo avec toi. Il voulait se prendre. Il dit, non, moi, je n'ai pas l'argent à te donner, mais il a fait une vidéo avec toi. Et puis, tu vas voir, il a fait la vidéo. C'est-à-dire que, il a fait vidéo audio à 22h. Il a partagé ça à 11h aujourd'hui. Le lendemain, 11h, on était à 28 000 vues. Entends, lui, il a fait son clip qui date de 2 ans, n'a même pas 100 000 vues. Quelques mois plus tard, l'artiste a commencé à être en vogue. Je faisais des nuits avec lui. Je partais à l'INSAC pour suivre mes coups, mais le samedi je faisais des nuits avec lui. C'est grâce à lui, je dis ouvertement, que j'ai connu Arafat DJ, j'ai connu des Bordeaux, j'ai connu beaucoup d'artistes parce que on partait tous à la la Ferrari. L'artiste à la dernière minute, quand on est parti à Vibe Radio, l'artiste en question, on lui a posé la simple question. Aujourd'hui, tu es devenu l'artiste connu sur les réseaux sociaux et grâce à telle boîte, ils n'ont même pas dit le nom de ma boîte. L'artiste dit non, que lui là, c'est son talent qui l'a amené où il est. La non-reconnaissance. L'ingratitude des artistes chanteurs est tellement trop. Aujourd'hui, ma lutte se situe là. Bientôt, je donnerai des conseils pour que manager confirmé plus, manager righty plus mieux guidé congélateur. Parce que vous qui me suivez actuellement, les 17 personnes, si on ne fait pas attention, congélateur va dire le vrai nom de righty manager. Vous savez un peu, quand tu as un enfant que tu veux guider, on ne vient pas montrer à l'enfant que l'eau qu'elle a là, a la couleur verte. L'enfant peut te poser la question, papa, l'eau là, quelle couleur? Tu dis, oui, toi tu vois quelle couleur? Ah, papa, moi je vois la couleur verte. Oui, oui, ça peut être ça. Mais moi, quand je regarde, je vois ça. Automatiquement, l'enfant commence à comprendre que ce qu'il pense voir, ou plutôt ce qu'il veut voir, c'est pas ça. Pour dire que il y a la vie qui est chère, il y a ce qui n'est pas la réalité. Aujourd'hui, congélateur mal, quand je regardais sa vidéo en direct, j'ai dit ici que Wright ne devrait pas faire cette improvisation inattendue et lugubre de sens. Excusez-moi, j'y allais un peu fort aujourd'hui. Parce que quand il fait ça, il donne encore
On dit quoi? Il veut participer. Ok. Ceux qui veulent participer, là, ils vont faire participer. Moi, ça ne me gêne pas de participer. Aujourd'hui, ils veulent montrer à que non, la France n'est pas une obligation. Oui, la France n'est pas une obligation. Moi, je n'ai jamais montré à quelqu'un que j'ai été une fois en France. Je n'ai jamais effectué de voyage. Mais je suis fier. Mais quand quelqu'un, vous voulez l'humilier et que Dieu l'emmène en l'air, pour moi, l'improvisation du direct là n'a pas de sens. À mettre une phrase pour essayer de camoufler le mal que vous endurez. Non, il y a conquéré la Côte d'Ivoire avant d'aller en Europe. Mais maintenant, il y a conquéré aussi la Côte d'Ivoire avant de partir en Europe. Il n'est pas allé comme ça. Quand je vais finir là, je vais vous dire pourquoi le congélateur n'est pas parti en Europe. Il ne peut pas voyager seul. Il ne peut pas voyager seul. S'il voyage seul, quelque chose arrive à congélateur, c'est pas bon. Congélateur ne peut pas voyager seul. C'est pas pour nous que c'est Tiesco qui est le problème. Hein. Moi, j'ai fait la vidéo depuis longtemps, il dit toujours Tiesco à Zaï. Et il reconnaît qu'il a Zaï. Il regarde mes vidéos, il sait qu'il a Zaï. Mais il ne peut pas voyager seul. Il faut quelqu'un qui va le suivre. C'est mieux qu'il saisit très orgueilleux en lui. Oui, il est très orgueilleux en lui. Et mais il est orgueilleux. Pourquoi il est orgueilleux? C'est ceux qui sont derrière lui. Congélateur, c'est ce qu'il dit là. Quelqu'un a mis en commentaire hier que congélateur, quand il est avec toi, il essaie d'être un peu dur. Mais quand il est frais, il te suit. C'est ce genre d'enfant. Aujourd'hui, dans tous les villages, dans toutes les villes, dans tous les coins, il y a des enfants comme ça. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici pourquoi on n'est pas là en Europe. On ne peut pas le mettre seul. Et il ne peut pas aussi payer le billet d'avion de deux personnes. Si VDA est là, ils vont taguer VDA, ils vont venir me confirmer. Merci à la maman qui, à son mati, les retrouvailles. Elle m'a appelé, elle m'a dit, il y a quoi? Ça sujet au monde des camps devenu noir. C'est quoi ça? J'ai mis ça sur l'ordinateur. Putain, ça s'est coupé. Ça sujet aussi s'est coupé, je vais recommencer, mais j'ai mis ça sur l'ordinateur qui chauffe. C'est des noirs. Ok, on me voit toujours, hein, je pense bien. Vous voyez un peu, il ne peut pas voyager seul. Donc, on ne peut pas le mettre seul dans l'avion pour aller en Europe. Pardon, essaye de mettre les likes. Il n'y a pas de cas des noirs comme ça. Mais c'est moi, il voit fou. On me voit, ok, d'accord. Petit baoulé qui fait direct, les gars. Vous voyez un peu. Congélateur ne peut pas voyager seul. Mettez, si vous me voyez, mettez en commentaire, je te vois. Parce que moi, il ne voit plus l'écran. Je ne vois plus l'écran, je ne sais pas. Ok, mettez, oui, on te voit. Ça fait deux fois que ça m'arrive. J'ai fait une fois un direct, c'est coupé. J'ai mis ça sur l'ordinateur là. Oh, excusez hein, les gars. Vous voyez un peu. Bon, moi, je pense que je me vois. Hein. Il dit quoi? J'aime bien te suivre, hein, mais congélateur aujourd'hui et qu'on regarde un changement. Oui, ok. Willy, merci beaucoup. Willy, merci pas qu'on me voit. Ok. Donc, c'est que c'est mon écran qui est noir, moi, il ne voit pas bien, mais. Vous voyez un peu. Congélateur ne peut pas voyager seul. Mais ce que aujourd'hui, Right Team Manager doit arrêter, c'est quelle vidéo dit à congélateur de faire. Il doit faire comprendre, à l'enfant que, et petit, vraiment, aujourd'hui, il est comme ça. Mais voilà. Moi, ça aurait été, moi, je vous jure, si j'étais le manager du congélateur, c'est-à-dire que Right Team Manager, elle a fait une vidéo pour lui, donc vraiment, félicitations à Manager confirmé qui est parti en Europe. Mes frères, sache qu'on est ensemble. Ça va donner plus de la visibilité et plus de poids. Parce que la vidéo que vous avez faite aujourd'hui, en train de changer le comportement du congélateur qui n'est pas ce congélateur. Parce que le congélateur, c'est un bas qui il est. Regardez un peu dans le direct. Quand j'ai mis le direct hier, je n'ai même pas fait de vidéo. Parce que j'attendais le moment. Le congélateur est devenu effronté. Vous le mettre dans le game qui n'est pas. Retenez qu'il n'est pas ce que vous pensez qu'il est. Righty, ressaisis-toi. Moi, je te dis, et tu sais, tu écoutes bien nos vidéos, tu nous regardes. Aujourd'hui, là, j'ai dit merci à tous ces blogueurs qui essaie quand même, pas de prendre parti, mais qui essaie d'être dans la même avancée que moi. Moi, quand il y a un problème qui est là, je vous dis, et puis on avance. Moi, Managal Koufme, je ne l'ai jamais vu. C'est Morissette qui a croisé, il est venu à mon bureau que j'ai croisé. À part ça, là, Managal, je ne le connais pas. Congélateur même si, mais c'est ce que je vois. Quand je lis la vidéo, ce que je vois, ce que je dis. Et personne ne peut me priver de parler. Comprenez un peu. Il est devenu, congélateur n'est pas arrogant, mais c'est les gars qui le suivent là qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de sage. Le gros Gérard, vieux père. Moi, je sais que vous me guettez aujourd'hui. Beaucoup me guettent.
parce que vous ne comprenez pas ce que je fais. Gros Gérard, toi-même là, tu es le président des jeunes, le président des artistes de Kumasi. Grand frère, tonton, papa, je t'appelle papa parce que je suis l'âge de mon père. Mais avant de faire une vidéo là, ne faites pas de sortie. Vous-même regardez hier. Hier jusqu'à aujourd'hui. Oh, vous commentez, mais bonjour mon frère. Oui, Moussa, je ne vois pas bien l'écran. L'écran est devenu noir un coup. Moi, je connais bien le congélateur, ce qu'il vient, ce qui ne vient pas de lui. Ok, oui, non. Frère, là, tu as raison. Comment il s'appelle? Oh, Willy, Martial. Congélateur, là, tout ce qu'il dit là, c'est téléguidé. C'est téléguidé. Mais si le staff de congélateur, le nouveau staff ne fait pas très attention, bientôt le congélateur va leur manquer de respect. Peut-être même vont vouloir lui priver le téléphone ou plutôt lui priver certaines choses et il va chier pour eux. Je ne sais pas comment j'ai expliqué ça même. Mais qu'il commence à montrer le mauvais côté et le bon côté. Qu'il commence à dire au congélateur, il y a les hauts et puis il y a les bas. Aujourd'hui là, moi je dis merci, hein. Et puis ils ont un poids sur la tête, un poids sur la tête de Writing Manager que je félicite tous les jours. Mais quand il fait mauvais, je le critique. Aujourd'hui, là, ils n'ont pas droit à l'erreur de faire descendre le congélateur, les lignages où ils l'ont mis. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Moi, je dis ouvertement, aujourd'hui, ma lutte se situe dans un plan où les gens qui pensent qu'on peut aller prendre quelqu'un. Je prends un exemple simple. Moi, je vous dis toujours, je n'ai jamais monté à quelqu'un que... Aujourd'hui, j'ai été au marché d'Arcoville parce que mon ordinateur, le câble a pris feu hier. Voilà, que c'était déchiré vu que la chaise a appuyé dessus à mon bureau. Donc, du coup, ça a pris feu. Je suis allé acheter. Il y a un jeune qui me voit et me dit, aïe, c'est pas la star là qui marche là. Il a dit, je ne suis pas star. Je suis donneur de leçons. Je suis quelqu'un que tu dois prendre mon bon côté. Qu'est-ce que tu retiens de JM en me regardant aujourd'hui? Vous avez 24 personnes connectées. Qu'est-ce que vous retenez de moi? Qu'est-ce que j'ai fait qui est bon, qui peut-être a changé ta vie? Qu'est-ce que j'ai dit où tu pensais que tu voulais mieux faire et que tu dis, ah, grâce à ce gars, c'est Narine en Détroit. Grâce à ce gars qui parle toujours sur les réseaux sociaux là. Ah, je voulais faire une erreur, j'ai évité. C'est cette leçon que vous devez retenir. Arrêtez de dire non, que ah, la star, il marche. Moi, je marche. Hein. La preuve, je ne suis même pas à Abidjan. Je suis à Beauville, dans un petit coin tranquille. Demain me travailler et quand je sais que je veux, je viens. Vous voyez un peu le truc. Matin même là, matin manger quoi? J'ai mangé œuf avec comment on appelle ça? Atiki. Pourquoi aller manger un hamburger? Non. Donc on doit montrer ici aujourd'hui à congélateur qu'il doit pas avoir tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, regarde, j'ai regardé la vidéo de Charlie Parker. Vieux père, vraiment merci beaucoup parce que tu m'as écouté. J'avais fait une vidéo où j'ai essayé quand même de te titiller et il a compris. Mais je te dis merci parce que tu as fait une vidéo où tu as montré la chambre où Manaja Kofimé dormait et tu as dit c'est pas la chambre d'Abobo. Et la vidéo que tu avais faite répondait à la vidéo où est-ce que le sultan donnait une chambre à un congélateur. Si on veut réaliser cette histoire-là, en fait 250 ans, on est dedans. Parce que l'histoire doit servir de leçon à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il y a les gens qui ne sont pas reconnaissants. La reconnaissance, je cite toujours, hein, n'est pas une obligation. Mais à toi de dire à la personne que c'est toi que tu m'as fait. Aujourd'hui, je tire chapeau à mon frère Jonathan Morrison, qui peut-être même est mon petit frère, ou peut-être on a même âge, qui aujourd'hui a été pour moi une source d'inspiration. Et aujourd'hui, à travers Jonathan Morrison, beaucoup de jeunes se sont retrouvés. Donc, je lui tire mon chapeau. Mais est-ce qu'il était obligé de me dire « J'y me reconnais » Il n'est pas obligé. Mais moi, je vous dis, dans toutes mes vidéos, je vous ai dit, le festival du riz de Saint-Fra est une inspiration de Jonathan Morrison de Tontien-Tien. Je suis parti sans compter sur un leader politique, sans compter sur un homme qui a l'argent en Saint-Fra, sans compter, mais les hommes qui ont la main sur le cœur, papa Alain Gouré, soit salué, sont venus me soutenir. Le vieux père Zola de Saint-Fra, le vieux père Folio, le vieux père, comment dirais-je, Julien de Saint-Fra, le vieux père Yadé, la vieille mère, hein, Madame Timité, des femmes battantes de Saint-Fra, la maman, Armel Zoro, tout cela, elles m'ont soutenu parce qu'elles ont vu que le jeune est venu se battre sans compter sur nous. Ils sont venus les soutenir. Donc, aujourd'hui, là, ça doit nous servir de leçon. Vous qui venez vous installer derrière le congélateur ou bien derrière le manager, là, c'est que vous n'avez rien compris de la vie.
essayer de faire l'analyse de la vie. Mais il y a eu quoi? Vous savez, de quoi manager avance? C'est pour la avance. Il allait prendre. Aujourd'hui, le congélateur, même si la main du congélateur, là, je vais lui dire la vérité, son vrai nom. Congélateur, c'est les enfants, quand ils sont nés là, les gens n'ont pas pris ça en bien. En tant que ce sont les êtres humains. Donc, du coup, l'enfant était négligé. Lui me disait, demain sur les tables du marché, manager va prendre l'enfant parce qu'il a vu que l'enfant a besoin de soutien. Même s'il le frappe, même s'il le fait quoi? Laissons histoire de loi là. Laissons histoire de quoi là? Sachez que il a fait sortir un être humain vivant dans un mouvement. C'est vous, vous allez venir trouver des failles. Non. Hein? Et où sont les lolo beautés? Où sont les lolo beautés? Le général Camille Makosso est très intelligent. Il n'aime pas chercher à comprendre même. Et il voulait faire buzz. Parce que qu'est-ce qu'on voulait? Sa carrière qui, depuis longtemps, préadamiste, n'avait pas d'avancée et de reculer. Il voulait se servir de ça pour être le père. Mais où ils sont? Je les vois. Aujourd'hui, ce que vous devez retenir, chers abonnés de CPK, de JMCPK que je suis, je vous ai dit, quand on est devant vous, en train de faire un direct, on se dit que nous sommes le président de cette nation. Mais qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'aujourd'hui, parmi les 19 personnes, peut-être que le président Alassane m'écoute, parce que le papa Bédié m'écoute, parce que peut-être mon directeur même m'écoute, parce que peut-être que ma femme est couchée, elle m'écoute, parce que mes enfants m'écoutent. Et qu'est-ce que je leur donne après mon direct? Quelle conclusion est-ce que vous tirez après mon direct? Au lieu de ce qu'on doit tirer comme leçon, quand quelqu'un te tend la main, quel que soit ce qu'il va arriver, il faut reconnaître. J'avais dit dans une de mes vidéos, avant de quitter ton chef, même s'il était mauvais, il faut lui dire merci, demande sa bénédiction. Tant que congélateur ne demande pas pardon au manager confirmé, ça sera dur pour vous. Et puis, ce qui sera dur là, c'est le royalty manager qui va souffrir. Vous ne pouvez plus le laisser. Il y a un autre qui a dit qu'il 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 traduit. C'est rien comme caca dans votre main. Vous ne pouvez pas faire tomber. Parce que toute la nation, telle que vous avez... Moi, j'avais fait une vidéo. Moi, ma vidéo que j'ai fait là, après, je vous reviens. J'ai fait une vidéo où il a dit cette histoire pouvait être réglée sans toutefois être publique. Mais vous avez rendu public, c'est Dieu qui va vous humilier. Et congélateur sera dans votre main. Il est dans votre main. C'est-à-dire que vous êtes fatigué, mais vous allez prendre. Ok, merci beaucoup. Bangoura, likez le direct. Le direct a attaqué. Merci les gars, vous me donnez la force. Vous voyez un peu, tant que vous allez faire ça, le direct a attaqué. Bizarrement, c'est pas quoi. Mon écran est noir, mais je me vois flou. Vous voyez un peu, likez, mettez les cœurs. Le direct a attaqué. D'après le général Makosso. Vous voyez un peu, tant que vous ne pouvez plus laisser tomber, mais Dieu va toujours montrer le vrai visage des gens. Aujourd'hui, regardez un peu dans quoi nous sommes. Aujourd'hui, j'ai mal. Montrons cela à nos enfants pour que nos enfants qui vont venir demain nous regarder, regardez ce direct qui ne sera pas supprimé. Ah, mon grand-père, c'est-à-dire que quand je serai vieux, quand j'aurai 50 ou 52 ans, si Dieu me permet, quand mon petit enfant vient, il va dire, ah, mon grand-père a lutté pour une cause noble. La cause, c'est quoi? C'est la méchanceté des humains. Il allait prendre l'enfant. Aujourd'hui, les gens de Brobo ont honte. Les gens de Brobo ont honte. Sa grande soeur qui venait dans la vidéo disait, on manque de rien, elle est où? Tu seras la plus pauvre de la terre. Je ne te maudis pas, mais c'est une réalité. La maman de congélateur, qui est une mère, a compris que congélateur était en erreur. Elle allait demander pardon publiquement à congélateur. Mais les guides de congélateur ont montré l'arrogance, l'euphorisme, hein, cette histoire de vie des stars. Il ne faut pas laisser tomber. S'il laisse tomber là, c'est que nous, on a échoué. Attends. Les gars, vous luttez. Mais tant que congélateur est dans vos mains, on va toujours faire de direct. Pourquoi l'écran est noir? Je ne vois même pas même. C'est vrai même. Ouais, parfait. Ils sont des tactiles de direct. Je ne sais pas pourquoi c'est noir. Ils ne comprennent pas. Merci les gars. Partagez dans tous les groupes. Partagez dans les groupes. Comprenez un peu. Aujourd'hui, là, c'est dans ta main. C'est dans ta main, righty. Donc, moi, ce que je peux te donner comme conseil, je serai toujours là pour toi. Il ne faut pas montrer à l'enfant qui doit être arrogant. Souvent, là, l'histoire du buzz, c'est quoi? Le buzz, on doit montrer souvent que c'est comme ça, c'est penché, c'est relevé, c'est comme ça. Quand vous voyez qu'il y a un qui est en train de faire une bonne chose, ah, vraiment, félicitations, frère, on est ensemble. Donc, nous tous, maintenant, on attend. Et, moi, je dis, félicitations, on attend.
Mais venez nous montrer ce que vous avez fait là. Demain, vous allez pleurer. Demain, quelqu'un a mis dans un de mes commentaires hier que un jour, il va dire non que Wright sort avec lui. Ah, mais attendez-vous à ça. Hein. Parce que quand il aura faim, c'est là où vous aurez problème. J'ai dit aux petits artistes qui viennent là, ne vous jouez pas les stars. Commencez à vivre ce que vous pouvez faire. Moi, voilà ça. Je suis là, tranquille. Aujourd'hui, je salue mon vieux père, Cyril, depuis l'autre côté. Il ne veut pas dire son nom, mais il ne dit pas tout son nom. Qui, aujourd'hui, m'a appelé. Il m'a dit, frère, voici un de tes jeunes frères qui veut faire son mouvement. Donne-lui conseil. L'artiste en question, son clip sort bientôt que je réalise. Il vient, il me dit, non, moi, je vais aller vivre à Abidjan parce que où il vit là. Il a dit, toi, tu m'as trouvé où? Tu m'as trouvé à Beauville. Ceux qui ne savent pas, je vis à Beauville. Je vis à Abidjan et puis je vis à Beauville. Tu m'as trouvé où? Je peux dire aujourd'hui, là, j'ai un peu d'argent. Dieu m'a donné un peu par rapport à toi. Mais je vis où? On n'est pas obligé de faire comme les autres. Quand les gens disent dans les commentaires que le congélateur, hein, il n'est plus un managaï, mais il vit mieux. Il vit mieux, oui. Mais on lui donne un train de vie qui n'est pas pour lui. Dieu a une planification. Et je dis merci à Dieu. Parce que managaï qui dit, je sacrifie, ma musique pour un enfant. Et vous voulez l'humilier. Aujourd'hui, je vous demande pardon. Pour dire que je vais conclure tout à l'heure. Ne montons pas le buzz, le luxe à congélateur. Sinon, vous allez pleurer. Le Baoulé dit, le Baoulé dit, quand tu montres à ton enfant que poulet là, c'est doux, le jour où tu vas lui montrer œuf, il va dire, lui veut pas. Moi, je n'ai pas papa. Je n'ai pas maman. C'est quoi sur les réseaux sociaux? Je n'insulte personne. Aujourd'hui, orphelin que je suis, je monte un train de vie à mes enfants. Chaque anniversaire de mes enfants, vous savez ce que je fais? Je vous donne. Je prends mon fils, il dit, c'est ton anniversaire, non? Allons au marché. Prends les habits que tu veux. Il prend. Dès qu'il arrive là net, je lui dis, bon, c'est bon. Le budget est bloqué. Papa, hier, prends ça. Il dit, non, c'est bon. Tu as pris Abino. Allons en manger maintenant. Tu veux manger quoi? Allons à la maison, maman a préparé. Voici ce que j'apprends à mes enfants. Le soir, je dis, bon, est-ce qu'on va couper gâteau? Mais arrête-le. Et si on laisse gâteau là-haut? Et puis, je prends encore pour payer une chaussure. 10 000 francs, 25 000, ce n'est pas bon. Papa, une chaussure est mieux. Mais quand tu montres à ton enfant que chaque année, il doit fêter un an. C'est là qu'on voit ces personnes-là qui vont chercher Paris d'anniversaire. C'est parce que vous comprenez. Il y a une manière de montrer, parce que le congélateur est un enfant pour vous. Il a 26 ans, mais il est un enfant aujourd'hui pour vous. Qu'est-ce que vous montrez à congélateur? Question. Et si cette question est bien répondue, Right Manager, tu vas mieux diriger la carrière de l'enfant. Et aujourd'hui, avec notre conseil, nos critiques, certains font des moqueries. Toi, tu dois regarder ces vidéos et puis t'en servir. Mais ne te dis pas que, non, comme il est parti en France, là, donc du coup, nous, on envoie congélateur en Europe. Mais qui paye le contrat de congélateur? Parce que congélateur est sur la boîte qui est Rebelle Production et qui est la boîte de qui? Qui est pour Tiesco le Sultan. Aujourd'hui, là, si le congélateur doit voyager, c'est au nom de la boîte. Est-ce que Tiesco a fini de lutter pour sa carrière? Mettez les cœurs, pardonnez. Je transpire. Oh, il y a même me déshabiller, mais pas maintenant sur les réseaux sociaux. Si c'est dans un film, oui. Vous voyez un peu. Est-ce que Tiesco le Sultan, je ne lis pas les commentaires. Le boss, tu es à Agboville. Oui, oui. Brico, je suis à Agboville. Je dois te croiser. Ah, Brico, tu es là? Si tu es là, dis-moi que tu es là. On se croise tout à l'heure. Ça ne me gêne pas. Merci beaucoup, mon frère. Tu es dans la réalisation. Entourage, tant, ok. Brico, si tu es là, Brico, je ne vois pas dans mon écran, je ne sais pas pourquoi. Les gars, tapoter, je ne vois pas, je vous jure tout ce que je cherche. Je sais qu'on me voit, mais je ne sais pas. Brico, si tu es à Beauville, ça ne me gêne pas qu'on se croise. Voilà. Moi, je ne m'emmène pas dans ma vie. Hein. Voilà, il y a une fille un jour, tu m'as vu, à Poutou. Tu m'avais vu à Cocody, elle m'a dit, je t'ai vu, mais je voulais te saluer, mais je me suis dit que. Si il t'appelle, attends, me parler mal. Ma chérie, tel que me voyez, tel que
je transpire, tel que j'ai les cheveux comme ça là, c'est comme ça que je suis. Tu me vois même, d'ailleurs, même quand, une fois que tu me salues même là, c'est que tu m'as considéré. Donc, je ne suis pas comme les artistes. Moi, je me rappelle bien, il y a un artiste qui m'avait manqué de respect à Saint-François, aujourd'hui, l'artiste là-même. Moi-même, je lui donne visibilité. Bon, pour dire que sans vous, vous êtes connecté. Pourquoi vous êtes connecté? C'est parce que ce que je dis, au moins, ça a un sens. C'est pourquoi vous êtes connecté. Donc, si vous me croyez dans la rue et que vous m'appelez, moi, même si je suis pressé, je vais garer. Si je suis dans la voiture, que je fais par en science, 1 minute, je vais te saluer. C'est ça le plus important. Parce que sans vous, nous ne sommes rien. Sans vous, là, nous, on n'est rien. Vous qui êtes connecté, je ne connais même pas où vous vivez. Peut-être qu'il y a un même qui a sous sa connexion, n'a même pas mangé le matin. Il attend de manger à 16 h. Mais si la personne t'a vu, là, quel est de vie des stars? Aujourd'hui, les gens pensent que non, il a pris position. Quand mon manager a confirmé, il a pris ici, regardez quoi, j'ai critiqué. Quand il a pris 4 danseurs, j'ai critiqué. Moi, je ne suis pas dans les histoires de trucs. Tu peux venir passer, d'aller faire un petit franc, tu vas prendre 8 danseurs, mais regardez quoi, qui va te faire quoi? Qui va te faire quoi? Donc, famille, voilà. Brico, si tu as la réponse. Ils sont en train de signaler le direct. Oui, c'est vrai, même blessing. Il sait pas pourquoi. Hey, pardonnez. Oh. Moi, je n'ai pas payé par Facebook. Oh. Bizarrement, les gens, ça, pour ceux qui connaissent un peu le monde de Facebook, je ne suis pas payé par Facebook. Donc, ceux qui veulent signaler, qu'ils signalent. Moi, je me rappelle en l'année passée. Attendez, hein, excusez. Monsieur, monsieur, il n'y a pas de route là-bas, hein, c'est bloqué. Yes, faut pas aller. Même 4x4, on ne peut pas monter, pardon. Faut les retourner. Ok. Famille, excusez-moi. Hein. Voilà, comme je vis un peu juste à la sortie, là. Donc, il y a un truc là, mais voiture pas passer. Mais c'est 4x4. Donc, je tenais un coup de main, hein, monsieur. Demandez pardon pour quoi? N'importe quoi. Hé, Kwame, Kwame, Kwaku, Samson, je vais te répondre. Reste là pour que tu répondes. Kwame Samson, j'espère que tu vas bien. Frère, aujourd'hui là, il ne sait pas où tu es. J'ai plus dire que tu travailles. J'ai plus dire que tu es une situation stable. Frère, dans la position où tu es, même si tu es millionnaire, même si tu es milliardaire, mais quelqu'un, oh, il y a les millionnaires qui ne sont pas heureux. Hein. Les millionnaires qui sont là, qui ont l'argent, mais qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Tu comprends un peu? Mais toi, tu es là et puis quelqu'un vient te donner le souffle de vie. Pas le souffle de vie même. Au moins, bon, il prend des enseignes. Tu es milliardaire. Samson, tu es milliardaire, non? Ok. Maintenant, dans ton milieu là, tu ne te sens pas à l'aise. Tu n'as pas femme, tu n'as pas enfant, tu n'as rien. Voici une jeune fille qui peut être dans une famille modeste, qui peut être à faim et qui vient. Ah, frère, au là, elle vient chez toi, elle lave tes habits. Elle vient, lave tes habits. Demain, elle vient, elle prépare. Samson ne paye plus de nourriture dehors. Samson, qui avait son argent, qui ne pouvait pas réaliser, la fille lui dit, ah, Coco, et si on construisait fondation pour les orphelins? Bah, je suis orpheline, je n'ai personne. Mais avec l'argent, ça peut servir. Samson, dans le début, il veut aller dans les bars. Et Samson, après, se rend compte que oui, la fille a raison. Samson crée, 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 crée. Au arrivé un moment, Samson devient quelqu'un de responsable. Mon frère, cette fille-là, tu as la laissé tomber. Cette fille-là doit être reconnaissante envers cette fille. C'est ça que nous sommes en train de lutter. On n'est pas là pour dire non que tu es le boudokro, tu es baoulé. Quand tu vois le bamouan, si on voit quand on si, ati. Mais on nous quoi? Sinon, il y a yé, adresse, c'est que n'aille les, et tout ça. Quand quelqu'un te fait du bien dans cette vie où nous sommes, arrivé à un moment là, il faut te servir. Même si tu ne viens pas lui rendre ça, quand on dit la reconnaissance, ce n'est pas forcément. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, il y a les gens qui, moi, m'ont aidé. Il y a une maman, aujourd'hui, m'a qui le retrouvaille, le jour de fête de travail. Il était là, puis il a mis un statut. Qui va m'inviter où? Elle me dit, tu es où? Viens, mon maquis, le retrouvaille. Il dit, maman, ah, je suis à Kourou de partir à Yopougon, tout ça là. C'est un peu difficile. Bon, ça fait encore transport, aller, mais essaye de me recevoir, tiens. Elle me dit, ok, tu fais un dépôt. Elle m'a fait le dépôt. Aujourd'hui, la maman, là, elle peut me demander un service où il est refusé. Et même si je refuse, là, demain, quelqu'un va me dire, ah, j'ai demandé un service, je vais faire. Tout en pensant, et puis Dieu n'est pas gaou, hein, Dieu te rappelle. Quand quelqu'un te demande un service souvent, tu n'as pas envie de faire, et puis on voit quelque chose, dit non, mais telle personne a fait pour toi, non. C'est ça, on dit, l'esprit te parle. Samson, Samson, tu travailles pour un monsieur, même s'il a été méchant avec toi. Moi, j'ai travaillé pour un gars qui faisait théâtre à Saint-François. Il est venu à Saint-François, le théâtre qu'on fait dans les écoles primaires. Là. Il est venu, il dit son nom, parce qu'il ne m'a pas fait du mal. Monsieur Armand, il est venu, non, si tu viens là, qu'on travaille ensemble, t'as porté l'écran, le direct a attaqué, c'est noir, il voit, mais je ne sais pas si vous me voyez encore. Si vous me voyez maintenant, il mettait que vous me voyez. Donc, du coup, le monsieur me dit, non, ah,
En fait, tu es dans les écoles où on paye 100 francs, 100 francs là. Si on fait une école, tu as 3 000 francs. C'est une histoire de 2012 que je vous parlais. 2012 à 3 000 francs, un jeune de mon âge qui a 3 000 francs, puis je suis encore bébé même. Donc, 3 000 francs pour moi, c'est beaucoup. J'ai suivi le jeune. On a fait tout, tout, tout. Il m'a envoyé même à Boaké. Arrivé à Boaké là-bas, le monsieur, quand on fait une prestation et qu'il a 30 000 francs, il donne 3 000. Quand il a 60 000, il donne 3 000. Quand il a 100 000 francs, il donne 3 000 francs. Mais un jour, il a eu 10 000 francs. Comment payer les gars de Sono qui coûtent, on dirait, 5 000 et puis me payer? Il me dit non, qu'il n'a pas l'argent. Je n'ai rien dit. Et ensuite, la semaine qui suivait, voici grève. En temps, on fait les terres dans les écoles. On fait comment? On ne peut plus faire terre dedans. Donc, du coup, le gars, il ne payait plus l'argent. C'est obligé de maintenant d'appeler à Saint-Fra, les parents. Ah, vraiment, c'est gâté. Hein. Tu peux m'envoyer au moins 10 000 francs. Non, mais 10 000 francs, là, on dormait chez un ami. Je sais qu'il est là, Philippe, à Saint-Fra. Un parent à Boaké. C'est mes 10 000 francs que Armand et moi, on a bouffé. La semaine qui suit, je vous remercie. Attendez. Hein. Ok, merci. Naki, ça va un peu. Donc, la semaine qui suivait, on a commencé maintenant les prestations. Dieu a fait grâce. La première prestation, il a eu 40 000. Frère, les jours qui sont passés là-haut, on fait comment? Non, un petit. Et il a travaillé, il dit, ok, pas de travail, pas de problème. Mais eux, ils ont dit, non, quand on vient de commencer, c'est 3 000 francs, il faut attendre. Je n'ai rien dit. Dieu a fait grâce. J'ai compris le travail. J'ai commencé à être mon propre chef. Voici pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Mais est-ce qu'il m'a fait du mal? Le jour où il devait partir là, s'il est là, il va dire, je l'ai fait à soir. On devrait jouer à 16 h dans une école à Boaké. Oh, hey, Seigneur. Sokora, école Sokora à Boaké. On devrait jouer à 16 h. Vers les 11 h, il dit, grand frère, je vais rentrer à Saint-Franc. Comme je dis à mes parents que je venais travailler pour avoir temps, et je me disais que 3 000, 3 000 par semaine, un peu par jour, 5 jours dans la semaine, ça faisait 15 000. Donc le mois, si j'ai fait au moins un mois et toi, je peux avoir au moins 60 000 francs pour rentrer. Mais moi, je m'en vais. Merci beaucoup. Grâce à toi, j'ai appris comment jouer devant un public. Parce que souvent, on peut avoir plus de 700 enfants réunis. Même si toute l'école a payé. On disait qu'une école, un établissement où il y a plusieurs écoles dedans, si tous ont payé, souvent, mais là, c'est B. Comment jouer? Il m'a appris à jouer. Frère, je m'en vais et puis on est ensemble. Je suis parti créer pour moi. J'ai créé récréation théâtrale où j'ai tourné à Vavois. Les gens de Vavois me connaissent bien. J'ai tourné à Vavois. J'ai tourné à Djokoué. J'ai tourné même à Saint-Fra. J'avais expliqué l'histoire ici quand j'ai été, hein, que le corbeau m'avait parlé à Abidjan. Tout avant de quitter un patron, demande sa bénédiction. Même s'il y a une discussion avec vous, dis-lui que vraiment, tu m'as donné une leçon de vie. Tu m'as montré comment on avance. Aujourd'hui, je suis devenu mon propre patron, donc je m'en vais. Et non vous séparer en coup de bec. Et non vous séparer en coup de bec. Parce que demain, ton patron là, il peut être devant. Et puis ce que tu cherches comme matériel, quel que soit ton travail, c'est ton patron qui est devant. Aujourd'hui là, tu peux te foutre de quelqu'un. Aujourd'hui, pourquoi on dit on doit s'aider? Tu peux te foutre de quelqu'un. Et puis demain, c'est la personne qui est devant. Aujourd'hui, là, tu peux dire que non, c'est moi qui suis devant, je suis JM, je suis suivi. Oh là, il y a beaucoup de jeunes qui m'appellent. Frère, c'est comment? Ah, je n'ai pas l'argent pour faire mon clip. Vraiment, clip, là, je fais à combien? Ah, il fait mon clip à 150, souvent 300 000, 400 000, ça dépend de ce que tu veux dans le clip. Mais tu as combien, petit? Il y a les clips, il est fait à 30 000 francs ici. Il y a les clips, il est fait à 50 000. Il y a les clips, mais super, il est fait à 10 000. Et c'est aujourd'hui, ces artistes-là sont devant. Moi, mais ma appeler seulement, allô, c'est comment? Ça va un peu, frère? Je suis content. Donc, quand nous sommes devant, ou plutôt quand Dieu nous ouvre des portes, n'oublions pas que avant de venir dans la villa, on dormait dans le cabaret. Voici aujourd'hui ma lutte. Voici aujourd'hui ma lutte. Ceux qui disent non, tu as pris parti là, il va pris parti. Cette histoire de congélateur manager confirmé doit vous servir de leçon. Oh, hier, manager confirmé lui montrait les phrases bêtes bêtes qui nous faisaient rire. Il y a un caillou dans ton oreille. Les petits moments qui font rire, on est fou. Aujourd'hui, manager confirmé se sert de ces mêmes créations poulet devenu pintade. Imaginez que c'était au temps de où il était encore le petit et qu'il faisait sortir aujourd'hui là. C'est lui qui était en train d'avancer et les deux mêmes ils étaient en Europe parce que congélateur peut pas aller en Europe. Pourquoi? Il peut pas voyager seul. En tant que boss plus, il peut pas payer deux tickets. Pourquoi payer deux tickets? Les artistes, quand
souvent kérosène va en Europe, là, il va sans Emma Dorby Prune. Quand on va rentrer, voici pourquoi on n'est pas parti. Il va aller, tu vas le surveiller. Tu vas aller le surveiller. Donc, famille, je vais m'arrêter là, j'ai été long. Merci à ceux qui m'ont suivi. Merci à ceux qui m'ont compris. Et puis, que cette histoire nous serve de leçon pour que demain, on puisse être des personnes exemplaires. Il ne faut pas venir soutenir des causes pour dire non, mais il a abusé de l'enfant. Au lieu de tous ceux qui ont dit non, que quand il va laisser un manager, va retenir au village, ils sont où? Ils sont où? Ces personnes sont où? Donc, les petits Facebookers, vous qui venez pour prendre une affaire, pour avoir des abonnés là, aujourd'hui, quelle est votre transition? Vous allez parler de quel sujet aujourd'hui? Vous allez parler de quel thème aujourd'hui? Je vous ai dit, je forme désormais les Facebookers et les YouTubeurs. Je vais laisser mon message, et pardon, mon numéro partagé, et puis venir vous former. Pour être des vrais Facebookers, moi j'étais YouTube. J'ai jamais été sur Facebook. YouTube, là, c'est là-bas moi je gouverne. Mais à cause de vous, je suis venu ici pour vous montrer que vous êtes. Tous ceux qui avaient les bouches rouges qui parlaient sont où? Sont où? Sont où? Aujourd'hui, il ne peut plus laisser congélateur. Et nous, moi, je vais lutter pour congélateur. Quand j'ai lutté pour congélateur, je ferai des vidéos quand il aura des erreurs pour donner conseil à Royalty pour qu'il avance. Je ferai des critiques quand ils auront besoin. Aujourd'hui, j'ai décidé comme ça de me servir des histoires qui se passent et de mon vécu pour donner une leçon de vie aux gens. Quand quelqu'un t'aide, quel que soit, si tu as eu mieux ailleurs, dis merci. Moi, des gens sont venus me voir. Non, comme tu as caméra, tu sais faire montagne, oui, il sait faire. Bon, vieux père, en fait. Ouais, comment tu vas, ça va, jeune? Comment tu fais vraiment? Tu as m'aidé. Parce qu'ils ont eu un petit contrat. Un contrat même qui ne vaut rien. Ils vont venir me parler mal. Je regarde puis je dis merci, Seigneur. Et bizarrement, ce qui est bien, ces personnes qui sont dans ma vie, automatiquement, j'ai eu beaucoup de contrats. J'ai eu des personnes qui m'envoient de l'argent sans même toutefois même savoir qui je suis. Frère, on te suit. Vraiment, ce que tu donnes comme leçon là, vraiment, on a bien t'aider. Je leur pose la question. Je ne vous demande pas 5 francs. Il y a un blanc qui est en Belgique. Aujourd'hui, peut en témoigner s'il est là. Il m'a appelé une fois en 2018. Frère, je vais t'envoyer 250 euros. Je lui ai demandé. Il a écrit d'abord sur ma chaîne YouTube. Je vais t'envoyer 250 euros. Ça fait 169 000 en Côte d'Ivoire. Il a dit, OK, voici mon numéro. Écrivez-moi. Et après, quand il m'a écrit sur WhatsApp, il m'a dit, mais pourquoi les 250 euros? Il dit quoi? Toi aussi, tu vas dire que Yé n'a pas raison. Vous n'avez pas plus de sujets. Tant. Alimentez votre page. L'habilé. C'est que tu ne me suis pas. Ceux qui me suivent savent que j'ai trop de sujets qui me donnent des vues. Et les vues pour moi sur Facebook n'ont pas de sens. Je vous te dis ouvertement. Parce que Facebook ne me paye pas. Si Facebook me payait là, actuellement, j'ai souscrit combien? Aujourd'hui matin, ceux qui sont en Côte d'Ivoire savent. Move avait problème de réseau. J'ai souscrit Orange et puis ils sont en train de travailler. J'ai souscrit 5000 francs. Puis on a été fait direct. Pour que ça serve ta petite vie. Tu comprends un peu? Donc, les histoires de vues là, je ne suis pas certaines personnes. J'ai fait, mais j'ai oublié ce qu'il disait. Rappelez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il disait même? Merci. Le blanc m'écrit, il me dit, je vais t'envoyer, en 2018, je vais t'envoyer 250 euros qui faisaient 169 000 francs en Côte d'Ivoire. Il a mis ça en commentaire sur une de mes vidéos. Donc, il a fait 3 millions de vues sur YouTube. Et parce que moi, j'étais en vogue au niveau de YouTube en 2018. Voilà, mon buzz n'a pas trop duré. C'est un mois, les 6 mois, 7 mois, un truc comme ça. Et quand tu m'as écrit, j'ai mis voici le contact de mon staff. Pendant c'était moi qui était derrière le numéro. Quand tu m'as écrit, je lui ai posé une question. Et la question, j'ai fait capture d'écran, j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. J'ai demandé au blanc une question. Pourquoi tu m'envoies les 250 euros? Il m'a dit non, je te suis. Ce que tu fais, c'est tellement bien. Tu fais des vidéos qui font rire, mais il y a conseil dedans.
Mais l'histoire des conseils, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Il lui a dit, OK. Parce que moi, j'ai peur. Demain, il ne faut pas aller dire là-bas, au gars de la paix, j'ai bien quelqu'un que je t'ai arnaqué 250 euros. Mais s'il trouve que tu m'envoies personnellement, que Dieu te bénisse. Il m'envoie 250 euros, j'ai retiré. J'ai pris mon staff, on est parti à la plage, vers Modeste là-bas. Parti, on a chauffé, tout, on est rentré. Ensuite, un jour encore, il n'était pas trop sur Internet. Il m'écrit, mais il y a quoi, je ne vois pas trop la vidéo. Il dit, non, ah, actuellement, j'ai un souci d'argent pour payer ma connexion. Mais je suis venu travailler un peu. Il était parti travailler où même? Dans un petit coin là. Parce que moi, quand je n'ai pas l'argent, je rebousse. Hein. Moi, je ne suis pas les gens qui sont suivis et puis qui veulent vivre pour plaire aux gens. Je ne suis pas dedans. Donc, je rebrousse un peu. Mais non, je t'envoie 100 euros, ça fait 65 000. Il m'a envoyé et je suis rentré, je suis Abidjan. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, là, il y a des gens qui peuvent nous faire du bien. Mais ne tombons pas dans la facilité. Voici ma lutte. Ne tombons pas dans la facilité. On ne dit pas que l'erreur n'est pas humaine. L'erreur est très humaine. Mais souvent, toi, on te dit, ah, il a envoyé 100 000 francs. C'est que tout à l'heure, quand quelqu'un vous dit, quelqu'un qui me dit, ah, JM, je t'envoie 10 millions. Hein. Il me dit, OK. Mais pourquoi tu m'envoies les 10 millions? Quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu veux? Ah, frère, je vais t'envoyer, tu as fait ma promotion sur 50 ans. Ah, d'accord. Donc, envoie-moi. C'est pour la promotion, non? Oui. Il n'y a pas quelque chose derrière. Non. Ce n'est pas par rapport à mon derrière. Non. OK. Il faut envoyer les 10 millions. Je prends. Je fais ta promotion. So. JM, je t'envoie 100 francs. Ah, pourquoi? Ah, il y a vu que tu n'étais pas connu depuis le matin. Je viens t'envoyer pour que tu puisses souscrire. Ah, il ne t'a pas demandé. Hein? Non. C'est pour ça? Oui. On va. C'est comme ça que je vis. J'ai dit que ma petite vie, je n'ai pas besoin d'être milliardaire. J'ai besoin d'être à l'aise. Aujourd'hui, la lutte que je fais, ce n'est pas pour moi. C'est pour mes enfants. Aujourd'hui, l'âge que j'ai, je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Les gens qui écrivent en bas, tu es là pour les commentaires, pour se disent rayés. C'est pourquoi, c'est quoi? C'est Edwige Baumet, il te répond aujourd'hui. C'est quoi qui dérange? Foutez la paix à confirmer. C'est le paradis et le monde. Tout le monde qui a joué au paradis là. Et elle dit quoi? Je ne sais pas, est-ce que c'est l'Ivoirienne même? Ah, quelqu'un même t'a répondu, hein? Ou bien c'est qui a répondu à quelqu'un? Salut JM, je te vois. Ah, Honorine Ngoran, tu me vois? D'accord? Moi, je te vois. En fait, mon portable. Ah, il y a des gens qui veulent intervenir même dans mon direct. D'accord, je vais voir si je peux vous ajouter. Donc, famille. Mais pourquoi l'écran est noir comme ça? Ah, je suis dehors. Il ne voit plus même dans le même écran. Oh oh, mon téléphone tombe. Mais ils écrivent quoi même? Ceux qui veulent intervenir dans mon direct, là, je ne sais pas comment faire. Hein. Jocelyne. Oh, je dois. Ah, Adèle, et tu as aimé quoi? Tiens, il ne faut même pas de mon écran. Ah, c'est le commentaire. OK. Ce disque est rayé, c'est quoi qui dérange? Foutez la paix à confirmer. C'est pas le paradis, mais pas tout le monde qui joue au casino de Paris. Il y a combien qui meurent dans la mer? Oui, mais non, frère, ma chérie Edwige. Edwige, bisous à toi là-bas. Hein. Ici là. On n'insulte pas ou pardonnez. On n'insulte pas, on dit la vérité. Moi-même, je ne sais pas comment on fait pour intervenir dans les directs. Mais je veux que vous interveniez. Les frères, la famille, ceux qui sont en Europe, qui m'appellent. Et vraiment, j'aime beaucoup les conseils de certaines mamans qui m'appellent. Elles me disent, frère, vraiment,
On te suit, tu fais des vidéos, mais souvent tu zailles. Ces gens de conseil, je les adore. Je vous jure, c'est tout ce que je cherche. Moi, je ne suis pas ces personnes qui veulent qu'on leur dise, non, tu es le meilleur. Oh, tu as raison, non. Si je fais fausse route, merci de commenter. Moi, je ne vais jamais insulter quelqu'un. Souvent, je peux dire des mots pour quand même jouer, mais je ne vais pas insulter quelqu'un. Chacun est libre de dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Mais cette histoire, Dieu sait pourquoi elle est passée par congélateur et manager pour pouvoir créer cette lucarne de buzz qui date depuis le 27 janvier jusqu'à aujourd'hui. Le plus long buzz depuis la création de buzz, là, c'est le plus long des buzz. C'est-à-dire que ça doit servir de leçon aux Ivoiriens et aux Africains. Vous comprenez un peu que lorsque quelqu'un te fait du bien, à toi de reconnaître. Même si tes parents viennent dire, ah, aujourd'hui là, regardez, je suis baoulé, hein, je suis baoulé. Je vais vous expliquer une petite histoire. Je suis orphelin de père et mon papa, avant de mourir, a laissé un champ. Un jour, il y a un monsieur qui, quand mon papa est décédé en 2018, j'ai été sur le champ de mon père en 2008. Et j'arrive, il y a un monsieur qui me dit, tu as vu ton tonton là? Il est ici là. Il a pris tout l'argent des champs là pour faire ça. Est-ce qu'il vous envoie l'argent même quand tu es chez ton autre oncle à Saint-Marc? Il dit, ah tonton, moi ça là, moi je ne connais pas où. Écoutez bien l'histoire. L'homme noir qui est méchant. Il dit, ah tonton, moi je ne sais pas où. Donc, j'ai été là-bas. En tant que tu sais, vous savez que pas chez les Baoulés, même en Afrique. J'arrive, il faut que la femme de mon oncle, elle me montre l'amour qu'elle a pour moi. L'héritier qui vient, faut pas aller partir au champ, ma chère va me couper, bien quelque chose m'est arrivé, on dit non que, ah, il est venu, après la mort de son papa, il a fait quelque chose à l'enfant. Vous comprenez un peu l'histoire. Donc, du coup, moi, je vais au champ. Matin, là, matin, il vient, hé, Jean-Marc. Et tu as mangé un peu de riz couché là. La même. Et ce que les enfants mangent là-bas, là, c'est ce que je vais manger. Elle dit, ah, toi-même, tu es en ville là même, là, tu n'es pas comme tu es chez les Blancs. Elle dit, hé, maman, arrête-moi ça. Papa, donne-moi un fusil là. Il met ça sur mon dos. Botte là, toi, tu as porté les gains. Moi, c'est botte qui est portée parce qu'il ne faut pas les ailes là, on me gratte un peu. Je me fais un petit choco. Je vais au champ. Écoutez l'histoire. Hein. Je vais faire résumer cette vidéo. Le jour J. Parce que quand on va en vacances dans les villages, c'est à partir de le 17 octobre qu'on rentre en ville pour aller faire les bancs, n'est-ce pas? Et le 18, cacao n'est pas encore sec. Mon oncle en question, qui est aujourd'hui mon père et qui vraiment comprend l'idéologie dans laquelle j'avance, appelle le monsieur en question qui m'a siroté la phrase disant que ton oncle a bouffé l'âne de papa. Il a même acheté tant, il a acheté tant, il a acheté tant. Et c'est lui que mon oncle appelle un matin. Vous connaissez chez les Baoulés et en Afrique. Un matin, on s'assoit. Bon, il faut dire à mon fils, vraiment, il est venu. Lui-même, il voit cacao là. Ce n'est pas encore sec. Et comment dirais-je? Comme il doit partir fréquenter, vraiment, je n'ai pas l'argent. Mais il n'a qu'à prendre 75 000 francs là pour rentrer. Une fois que cacao est sec, j'ai envoyé un peu. Quelque chose m'a dit, dis à ton père que l'argent là c'est trop. Et j'ai sorti la phrase, j'ai dit, parce que mon oncle est assis devant moi, le monsieur est là, ma tante est là. Et puis il y avait, c'est pas si mon petit frère, bien, bon, lui qui est décédé, mon fils qui est mon petit frère, il est décédé, il était assis. Non, 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 notre manœuvre était assis, un truc comme ça, je sais même plus. J'ai dit, tonton, quand tu me donnes 75 000 francs, pendant ce temps que le cacao n'est pas encore sec, et que toi aussi tu as des enfants qui sont derrière ici, là-haut, tu les mets à l'école comment? Je vis chez ton grand frère. Je sais que si je rentre et que je n'ai pas d'argent, il va m'inscrire. Après, tu as envoyé l'argent. Donne-moi un peu, je vais rentrer. Le reste, merci-toi pour sécuriser avant que le cacao ne soit sec. Ma tante a commencé à pleurer. Imaginez-vous que je reste dans cette lucarne de héritier qui est venu et qui, non, tonton, tu as trop pris l'argent ici, là. C'est vrai. Quand on dit sorcellerie, c'est pas que la personne va te bouffer, hein. Dieu même va te punir.
Parce que quand ton papa mourait là, les 10 hectares de champ qu'il avait, il n'a pas tout cultivé. Et puis là, il a cultivé 3 hectares. Le monsieur est venu cultiver le reste. Et ensuite, il a fait une famille. Qu'est-ce que la famille la mange? C'est ça la sorcellerie. C'est pas que les gens bouffent. C'est ça la sorcellerie. Et c'est la même chose qui s'est produit avec congélateur et puis manager. Soyons ouverts d'esprit. Mon oncle m'a donné 50 000 francs. Il a dit, bon, prends 50, fois aller. 25 000, là, j'ai mis ça derrière ici. Quand ton père mourait, il avait 10 hectares. Il a cultivé peut-être 3 ou bien 4 ou 5. Et puis, il est mort. C'est son petit frère qui est resté. Il t'a demandé, non, il t'a pas l'argent. Hein? Mais toi, attends. Et puis, tu arrives dans un village, il y a des gens qui viennent te mettre les trucs en esprit. Et toi, tu vas venir, tu as déjà les mouvements, Dieu même va te punir. C'est un peu l'histoire de Manager confirmé. Manager qui va prendre un enfant qui n'est même pas aimé dans son village à Bodokro. Il vient, il lave, il suit son cuir, il soigne ses mouvements, il fait tout bon, ça s'en va. C'est dans le gâteau là, tout est bon. Et des gens ont venu, Manager, il sort à lui. Manager, il le frappe. Manager, quelqu'un a mis en commentaire que congélateur, quand il le croise, souvent, quand il fait quelque chose, là, il vient être un peu barré. Il crie sur lui, c'est rallié. S'il n'a pas crié, comment c'est rallié? Donc, vous qui ne comprenez pas ma lutte, là, aujourd'hui, j'ai été en direct pendant une heure, je peux le dire. Voici ma lutte. Quand on vous dit quelque chose, réfléchissez. Un jour, mon oncle m'appelle. Bon, j'ai construit au village. C'est que ton papa a commencé, puis il n'est plus là. J'ai construit au village. Tu m'appelles même pas pour dire non, si c'est fini, tonton. Va quand est-ce que je vais t'appeler. S'il y avait au village que je dors, essentiel. Tu es mon père. Même quand souvent je vais au campement là-bas comme ça, quand il arrive là, il lui dit, tonton, moi je suis venu. Oula, une semaine là, c'est ton premier fils qui roule ta moto. Et puis il est fin. Il ne peut pas aller lutter. Mais souper, il a fait le sang, c'est bien. Où il doit manger sa femme et ses enfants. Et puis tant. Moi, j'ai enlevé ça dans la tête de mes petites sœurs et de mes grandes sœurs. J'ai dit, cherchons pour nous. Quand tu prends l'héritage de ton père, tes enfants prendront pour qui? La phrase là, il faut que les jeunes comprennent. Seuls les paresseux ne savent pas ce qu'ils veulent. D'autres sont assis, ils attendent la mort du vieux. Dieu aussi fait le vieux, mais pas vite. Il est là. Pourquoi attendre la mort de quelqu'un pour prendre ses biens? Donc, j'ai été long, je vais vous laisser. Et je pense qu'à travers ce direct-là, beaucoup d'hommes comprendront ma lutte. Aujourd'hui, je suis là pour dire à la jeunesse qu'on n'a pas besoin de faire. Moi, j'ai trop souffert de ma vie. J'ai dormi dans les salles de classe. J'ai dormi à terre. Souvent, j'ai tapé. Un jour, je ne mange pas. Je me garais, je mangeais. Parce que j'avais mon objectif. Comment faire pour que mes enfants puissent être. J'ai mis sur Internet. Je suis né pauvre, mais mourir pauvre, c'est moi-même le problème. Il faut que mes enfants soient à l'aise. Mais mettre ses enfants à l'aise ne va pas dire qu'il faut tout le temps les mettre dans ta voiture. Ou même s'il y a une voiture 4x4, il y a un gars à l'école. S'il envoie mes enfants une fois à l'école dans ma voiture personnelle, lundi, mardi, mercredi, ils doivent marcher pour être en commun encore avec les enfants qui n'ont pas de voiture. Ils doivent chercher à partager le jeudi leur déjeuner avec les enfants. Quand tu montes comme ça à tes enfants, là, demain, quand tu n'es plus là, ils suivent la lignée que tu as prise. Les gens qui vont mettre en commentaire. Non, vous ne voyez pas l'innocence du congélateur. Oui, l'innocence du congélateur, il est innocent. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il souffrait. Manager le frappait. Il faisait ça. Mais au moins, il était avec celui qui l'a fait. Sur ce, pour ce direct, la conclusion, ne nous laissons pas berner par des personnes qui veulent nous tuer. Aujourd'hui, là, celui qui t'aime te dira la vérité. Mais celui qui ne t'aime pas va te pousser à faire du mal à celui qui a vraiment aimé. Moi, aujourd'hui, là, celui qui vient me dire, non, j'ai appris que ta femme, là, elle cause tout là, le jeûne. Hein. Je ne te dis pas, ok, j'ai compris. Mais je vais mener mes enquêtes. Mais si tu es parmi ces personnes, ah, Joe, il y a vu ton petit frère, là, il fume drogue. Hein. Ah bon? Tu rentres en même temps? Non. Tu lui dis, ah, j'ai compris, merci beaucoup, tu m'as dit, j'ai pris acte. Je vais essayer de voir comment vivre avec lui. Et toi-même, tu es là maintenant. Tu viens un jour. Ah, Joe, la cigarette. Hein? Ah, non, non, chef, faut laisser. Il va dire, fume pas. Ah, Joe, cigarette là, moi, je fume, ça va
pas plus. Hein. Attends, tu ne filmes pas. Hein. Ou bien peut-être tu filmes, mais tu en as essayé. Ah, ça ne va pas avec moi. Hein. Et si l'autre n'a pas à prendre mes mains, comment? Tu prends un coin et tu sais qui il est. Mais on te dit dehors et tu cours, tu viens faire discours, tu auras honte. Sur ce, portez-vous bien. J'ai été vraiment de cœur avec vous. Que Dieu bénisse. On est ensemble. Move, je ne sais pas depuis ma thèse en quoi. Ma connexion ne passe pas. J'ai souscrit à Orange 5000. Je pense que c'est presque fini. Je vais vous laisser. On est ensemble. Merci à vous et que cette histoire nous serve de leçon. Merci à tous ceux qui ont liké, qui ont tapoté, qui ont commenté, qui ont partagé. Aujourd'hui, ma lutte, c'est de faire des vrais Facebookers qui vont donner conseil à la jeunesse, de faire des personnes qui vont dire la vérité quand il le faut, et non de faire des personnes qui vont insulter l'entrejambe de la femme ou de l'homme, ou de faire des personnes qui viendront dire que moi, je sortais avec X, je sortais avec Z, je sortais avec A. Aujourd'hui, c'est ce que nos chaînes de télévision nous montrent. Avant-hier, j'ai été écœuré, meurtri, de voir que dans l'émission Fafa, la dame dit, ça a quoi à voir, non? Toi, tu ne veux pas travailler avec Emma de Prod. Mais c'est son gars qui est amaral, ça a quoi à voir avec l'éducation que vous donnez aux gens. Vous ne savez pas que votre chaîne est suivie par des gens. Et ceux-là, je vais les attaquer. Ceux qui disent que je n'ai pas sujet, j'ai sujet tant que la vie est là. Tant que des personnes malhonnêtes, des personnes qui ne savent pas quoi faire existent dans cette Côte d'Ivoire, j'ai trop de luttes. Mais ma lutte, je suis apolitique. Je ne suis pas politicien, mais je suis là pour la jeunesse. Si deux, trois jeunes ont compris ma lutte, je pense qu'un jour, Dieu peut m'appeler tranquille. C'est ce que je veux. Parce que de façon que j'ai souffert là, c'est de ceux qui sait. Ce que je fais, c'est de ceux qui sait. Aujourd'hui, je dis merci à tous mes parents qui m'ont soutenu. Parce que quand ton père te montre que tu dois lutter, il faut savoir que c'est le père qui t'aime. Mais le père qui donne tout, qui ne te demande pas comment apprendre, c'est celui qui ne t'aime pas. Mais demain, quand il ne sera pas là, tu sentiras son absence. Mon ensemble famille, JMCPK. Que Dieu vous bénisse, mon ensemble, portez-vous bien. Comment on coupe? On ne voit même pas dans l'écran à la main. Terminé.